Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kala Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, mahadevaya.
Jaya 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 Mahadeva. Jaya 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 Mahadeva. Shiva Shankar Adi Anant. Shiva Shankar Adi Anant. Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram. Namaskaram tout le monde. Ce virus de Wuhan est bien géré dans certaines nations. Dans d'autres nations, il explose. Malheureusement, les États-Unis ont passé la barre des 10 000 cas confirmés, avec probablement 2 700 morts. Et dans le monde, le nombre de morts approche, ou aujourd'hui ça a dépassé 28 000. L'Inde s'en sort encore bien. On appréhende beaucoup une possible explosion dans les prochains jours. Mais le taux de mortalité est, par rapport à la population, il est très bon. Diverses raisons, à cela, nous en avons déjà vu quelques-unes. Je pense qu'une chose importante qu'il nous faut saluer, c'est les gouvernements, à la fois le gouvernement central et les gouvernements régionaux. Ils ont fait ce qui s'appelle sceller les frontières des districts. Donc, partout où des infections ont eu lieu, les frontières de tous les districts, qui sont comme un département, ont été scellées. Donc grâce à cela, même si c'est dans le district d'à côté, ça n'arrive pas vraiment dans celui-ci. Ils ont en quelque sorte localisé les choses plutôt que de les laisser se répandre dans tout le pays, ce qui est une façon merveilleuse de gérer cela. Et les professionnels médicaux, les professionnels de santé font un travail formidable, les agences de sécurité, les forces de police font un travail formidable. L'armée est en stand-by, mais pas déployée, pas encore. J'espère qu'elle ne va pas l'être. Certains groupes de gens ne coopèrent pas, mais en grande partie, les citoyens ont merveilleusement bien coopéré dans tout le pays. Mais ce n'est que le quatrième jour. Les inconvénients, les frustrations et les difficultés vont grandir de jour en jour. Nous devons gérer cela. Eh bien, le seul choix que nous ayons est de ressortir de cela meilleur en tant qu'être humain que nous ne l'étions avant cela. Eh bien, une chose, c'est que Wuhan est devenu célèbre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Passons aux questions. Sadhguru, la première question vient de Marc. C'est une période pleine de défis, à la fois physiquement et émotionnellement pour les professionnels de santé qui sont en première ligne de l'épidémie coronavirus.
Étant fatigué et épuisé, il est très difficile de savoir où sont les bonnes limites pour suffisamment prendre soin de soi tout en continuant à fournir la meilleure attention possible à tous ceux qui ont besoin de nos services. Sadhguru, quel est votre conseil pour tous les professionnels de santé débordés comme nous, pour qu'on arrive à tenir le coup pendant cette crise? Tout d'abord, pour tous les professionnels de santé, à commencer par l'Inde, maintenant les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, et beaucoup d'autres nations où ça a flambé. Tout d'abord, nous nous inclinons devant eux, parce qu'ils se mettent eux-mêmes et leurs familles en danger. Je veux que vous imaginiez un scénario dans lequel les professionnels de santé, ils n'ont pas choisi ce métier pour mourir, ils ont choisi ce métier pour servir et pour gagner leur vie. Si ça devient trop dangereux, parce que dans toutes les nations où il y a des morts, une importante proportion sont des professionnels de santé. S'ils disent « on ne veut pas le faire », vous pouvez imaginer le sort du reste de la population. Donc Marc, à vous et à beaucoup d'autres comme vous, qui sont là dehors dans chaque nation à faire ça, nous nous inclinons devant vous. Et pas seulement ça. Maintenant, une vingtaine de nos bénévoles du centre Isha Yoga se sont présentés et nous les envoyons à l'extérieur à partir de demain. Ils vont dans les villages aider les autorités locales à identifier et à traiter ces cas. Donc, nos volontaires aussi s'engagent pour faire ça. Nous choisissons des jeunes pour qu'ils soient capables de supporter ce processus en cas d'infection. Ils doivent être capables de s'en sortir. Donc, nous essayons de faire notre part, mais nous ne faisons pas ce que vous faites, vous mettre vous et votre famille, et si vous avez des enfants à la maison, tous les mettre en danger. Donc, à un moment comme celui-ci, ce n'est pas le moment pour moi de vous dire « faites cette méditation-ci, faites cette méditation-là, venez faire ingénierie intérieure », je ne vais pas faire ce genre de choses. Mais pour les médecins et infirmières qui travaillent dans de telles conditions, aux États-Unis, pour commencer, nous allons proposer ingénierie intérieure en ligne, gratuitement. Et l'application Sadhguru est toujours là, elle comporte des pratiques, en particulier Isha Kriya et Upa Yoga. Si vous pouvez vous y mettre et faire ce que vous pouvez faire, ce sera bon pour vous. Ici, pour tous les gens du coin, dans les zones rurales du Tamil Nadu, nous allons leur enseigner une nouvelle pratique, très simple, un kriya qui est très simple. Nous allons en faire la démonstration dans quelques minutes, vous pouvez aussi la regarder, et nous allons vous envoyer une vidéo. Cela aussi peut être pratiqué. Une chose, c'est que ça va améliorer votre capacité pulmonaire, ça va renforcer ou booster vos défenses immunitaires, et par-dessus tout, la pratique dont nous allons faire la démonstration dans quelques minutes, si vous commencez à la faire maintenant, disons que vous êtes capable de bien la faire maintenant et que dans 5 jours, vous n'êtes pas capable de la faire, vous pouvez être certain que vous avez une infection pulmonaire, peut-être pas ce virus Wuhan, mais peut-être autre chose. Mais vous avez un problème au niveau des poumons, ça sera très clair. C'est presque comme un test pour voir si votre appareil respiratoire fonctionne bien ou non. C'est la nature de cette pratique. On fait ça principalement dans les zones rurales, mais on va aussi la diffuser sur des chaînes nationales ici. On va la mettre sur le site web et partout ailleurs. S'il vous plaît, commencez à la faire. Mais pour tous les médecins et professionnels de santé qui sont en première ligne, qui s'exposent à de possibles infections volontairement. Pour vous tous, nous allons offrir ce programme d'ingénierie intérieure gratuitement.
Je sais que cela ne va pas compenser le risque que vous prenez. Sadhguru. Sadhguru, la prochaine question vient d'Alex, de Triple I aux États-Unis dans le Tennessee. Les dernières statistiques indiquent que c'est maintenant aux États-Unis qu'il y a le plus grand nombre de cas de coronavirus dans le monde. Cela a fait grandir notre appréhension ici, à l'Institut Isha. Que peuvent faire ceux d'entre nous qui résident ici pour faire baisser nos niveaux d'anxiété autant que possible et rester concentrés? Je pensais que vous étiez tous des chercheurs spirituels. Et vous êtes anxieux. Eh bien, bien des fois, de bien des façons, je vous ai dit que si vous vous débarrassez juste d'une seule pensée, 90% de votre sadhana spirituel est terminé. Cette seule pensée, c'est « et moi alors ?» Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette seule idée stupide, alors vous allez trimer pendant des vies entières et il ne va pas se passer grand-chose. Si cette seule pensée s'en va, la sadhana va décoller. La sadhana va vous faire voler. Sans vous débarrasser de ça, vous devez comprendre ceci. C'est comme si vous montez dans un bateau, vous l'amarrez au quai, et ensuite ramez fort. Le paysage va changer. Vous allez devenir vieux et mourir un jour, ce sera un paysage, mais des changements progressif pourra avoir lieu, mais rien de phénoménal n'aura lieu dans votre vie parce que vous êtes amarré. Et moi alors, et moi alors, et moi alors, c'est une amarre. Alex, vous êtes un jeune homme, vous êtes inquiet de ce qui va se passer et vous êtes anxieux. Vous devriez sortir. Peut-être pas tout de suite, si les choses deviennent complètement hors de contrôle dans la communauté et aux alentours. Je vais vous demander de sortir et de faire ce que vous pouvez faire, comme ils le font ici, en Inde. Eh bien, les chercheurs spirituels, si vous êtes un chercheur d'une quelconque valeur, alors vous ne devriez pas être dérangé par tout ça. Mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et si je meurs? On ne veut pas que vous mouriez. Mais malheureusement, vous allez mourir de toute façon. Le seul choix que vous ayez, c'est soit de mourir pour rien, soit de mourir pour quelque chose. Je préfère mourir pour quelque chose. Donc, dois-je aller me sacrifier pour ce virus de Wuhan? Non. Vous devez être très prudent. Prudent, être prudent est une chose, avoir peur et être anxieux en est une autre. L'anxiété veut dire que je ne sais pas quelle pratique vous faites. Par-dessus tout, si vous faites vos pratiques, même si le virus arrive, je dirais que pour tous les sadhakas, ceux qui font leurs pratiques comme il faut, même si vous êtes infecté, je suis plutôt confiant que vous allez traverser cela sans effort, à moins que vous ne soyez au-delà d'une certaine tranche d'âge qui est vulnérable. Je devrais être inquiet. Et vous, un jeune homme, être inquiet par ça? S'il vous plaît, laissez tomber ces bêtises. Parce que je n'arrive pas à y croire. De toute façon, pour 100 personnes, vous avez une surface de 4000 acres et vous vous faites du souci? L'Institut Isha des sciences intérieures fait quasiment 1500 hectares, 100 personnes. On devrait vous mettre dans les rues de New York. Oui. Eh bien, Alex, je vous le dis, au cas où ça arrive à McMinnville, ou dans la communauté locale, ou dans n'importe laquelle de ces villes, si les choses tournent vraiment mal, et que la communauté médicale est débordée pour gérer la chose, plus de lits d'hôpital, plus rien, alors vous allez libérer vos chambres, et il va y avoir des gens infectés par le virus dans votre chambre. Je veux que vous le sachiez, c'est mon engagement pour le monde.
Lorsque j'ai dit « je suis une mère pour le monde », lorsque j'ai dit « je suis une mère pour le monde », je ne l'ai pas dit juste pour vous faire passer quelques stupides programmes que j'ai faits. Je le pensais vraiment et je le vis. Vous feriez mieux d'apprendre à le vivre aussi. Donc, quoi qu'il en soit, si vous n'avez fait aucune pratique, aujourd'hui, nous allons enseigner une pratique simple, destinée aux gens des campagnes aux alentours. Vous pouvez aussi la commencer et la faire, et aussi l'enseigner à des professionnels de santé, d'accord? Et... je pense que nous allons prendre des décisions sur la façon de gérer le triple I dans les prochaines 24 heures pour éviter toute infection. Mais en même temps, les jeunes, les gens de moins de 50 ans, vous devez être prêts. Faites bien votre sadhana, maintenez-vous en forme. Au cas où la situation dégénère complètement dans la communauté, je veux que vous sortiez et y fassiez quelque chose d'utile. Si ça dégénère complètement dans l'état du Tennessee, nous allons proposer au gouvernement et aux services médicaux d'utiliser les locaux de Triple I. Je veux que vous le sachiez. Nous l'avons déjà fait ici. Nous avons proposé le centre Isha Yoga au gouvernement régional. Heureusement, ça ne va pas dans cette direction pour le moment, mais au cas où ça dégénère, oui, nous allons utiliser les locaux pour le bien-être de tous. Et nous n'avons pas 4000 acres ici, et nous avons beaucoup de gens. Nous avons 4000 personnes, pas 4000 acres. Est-ce que Swami est là? La démonstration, Swami. Une question de plus? Sadhguru, la question suivante vient d'Evelyn en Indonésie. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram. Comment est-ce que les gens qui sont touchés par la mort peuvent se remettre du traumatisme et de la peine liée à la perte de membres de leur famille pendant cette épidémie? Comment les gens touchés par la mort peuvent s'en remettre? Comment peuvent-ils se remettre du traumatisme et la peine liée à la perte de membres de leur famille? Eh bien, je n'essaie pas de rendre la situation légère. La situation est extrêmement grave. Ce n'est pas que je ne comprends pas cela, je le comprends mieux que quiconque, et je connais plus de chiffres que ce qu'il y a aux nouvelles. Donc je comprends la gravité de la situation, absolument. Mais c'est de ça qu'il s'agit avec la vie. Les situations peuvent devenir très lourdes. Mais si votre mental aussi devient très lourd, maintenant, vous faites partie du problème. Quand les situations sont lourdes, vous devez avoir le cœur léger, la tête légère, en faisant ce que vous avez à faire, de façon judicieuse. Si vous aussi devenez lourd, vous ajoutez au problème. Vous n'êtes pas une solution. Le monde se porterait mieux sans vous. Ce n'est pas ce qu'un être humain est fait pour être. On se prétend, ou il est même prouvé scientifiquement, que vous êtes le pic de l'évolution, au moins sur cette planète. Je ne sais pas si vous allez passer le test ailleurs, parce que même ici, la plupart des gens ne passent pas le test. Mais vous êtes le pic de l'évolution. Cela veut dire que vous êtes le plus haut niveau d'intelligence, de compréhension, de perception, tout. Si vous êtes tout cela, vous devez être capable de bien gérer les situations de la vie, gracieusement, de façon merveilleuse. Les gens ne meurent pas qu'à cause de ce virus. À l'heure actuelle, malheureusement, c'est devenu une vague.
C'est devenu une vague. Les gens meurent inutilement, c'est le problème. Autrement, tous les jours, quasiment un quart de million de gens, ou à peu près, peut-être 150 000 ou 200 000 personnes, meurent. En ce moment, malheureusement, combien y en a-t-il par jour dans le monde? 6 000. Il y a peut-être 5 à 6 000 personnes de plus qui meurent. Il est possible que ça continue et prenne une ampleur qui n'est pas nécessaire. Donc, je veux que vous la compreniez. La mort n'est pas nouvelle dans le monde. La mort n'est pas nouvelle pour les familles. Je n'essaie pas de dénigrer votre peine, mais je veux que vous compreniez que c'est ce que ça veut dire. Quand les choses tournent mal dans nos vies, allons-nous gérer ça gracieusement ou pas? C'est la chose la plus importante. Autrement, quand tout va bien, bien sûr que tout le monde est merveilleux. Eh bien, il y a beaucoup d'idiots, même quand les choses vont bien, ils sont mauvais. Il n'y a pas de salut pour eux. Mais quand les choses tournent à la catastrophe dans nos vies, malgré tout, nous sommes là à faire ce que nous avons à faire. Je veux que vous compreniez que ces gens qui se mettent consciemment en danger, c'est vers eux que devrait aller notre empathie, vraiment. Je l'ai attrapé, vous l'avez attrapé, on s'en est sorti ou on ne s'en est pas sorti, c'est autre chose. Oui, lorsque vous perdez un être cher dans votre vie, ce n'est pas une chose simple, parce que votre vie est disloquée, vous avez perdu quelque chose de précieux dans votre vie, pas facile. Mais ceci est la nature de cette existence, c'est la nature de votre existence. Vous arrivez et vous repartez. Soit c'est vous qui partez en premier, soit c'est un autre qui part en premier. Malheureusement, ils deviennent victimes de la propagation de ce virus. Mais nous devons comprendre ceci. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vagues d'épidémies comme celle-ci. Cette fois-ci, elle se propage partout dans le monde, mais dans les villes, dans les villages, dans les pays. Au siècle passé, si vous regardez en arrière, il y a eu des pestes, il y a eu des paludismes, il y a eu même des grippes qui ont tué des milliers et des milliers de gens. Celle-ci, on en parle énormément parce qu'elle a la capacité de se propager rapidement et sans respecter les frontières nationales ou autres, elle se répand partout. Et par-dessus tout, c'est aussi du fait de la quantité de médias et de réseaux sociaux que nous avons. Donc celle-ci est très médiatisée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas dangereuse, elle est dangereuse. C'est malheureux si vous avez perdu quelqu'un dans votre vie. Et beaucoup d'entre nous pourraient perdre quelqu'un dans nos vies, ou nous pourrions nous perdre nous-mêmes, c'est possible, si ça dégénère. Donc maintenant que vous savez à quel point c'est douloureux, faisons quelque chose pour que beaucoup, beaucoup plus de gens n'aient pas à traverser les mêmes peines. Lorsque vous perdez quelqu'un qui vous est très cher, à quel point c'est douloureux, si vous savez cela, il faut s'engager à ce que... Vous devez vous assurer que cela n'arrive pas à une autre personne et à une autre, autant que possible. Tout n'est pas entre nos mains. Mais nous ne devrions pas... Tout citoyen doit juste s'engager à cela. Je ne devrais pas être un porteur. Je ne vais pas porter ce virus et le passer à quelqu'un d'autre. En premier lieu, je ne vais pas le laisser m'atteindre. Si je l'attrape, je vais m'assurer qu'il ne passe pas à quelqu'un d'autre. Nous devons nous engager au moins à cela parce qu'il y a de la douleur. La douleur ne vient pas seulement du fait que quelqu'un meurt. La douleur vient du fait que des gens perdent énormément de choses. Perdre quelqu'un qui vous est cher est plus douloureux que la mort elle-même. Donc, nous sommes désolés que vous ayez à traverser cela. Malheureusement, des milliers de personnes traversent cela. Les chiffres actuels parlent de 5 à 6 000 personnes chaque jour. Mais ce nombre pourrait être multiplié en un rien de temps
ça peut exploser à 100 000 par jour. C'est possible. Ce n'est pas pour créer de la peur ou de la panique, mais nous devons comprendre à quoi nous sommes confrontés. Nous devons savoir à quoi nous sommes confrontés ici même. Ce à quoi nous sommes confrontés ici même est une situation sans précédent. Tout au moins à notre génération, nous n'avons jamais fait face à quelque chose comme ça, c'est la première fois qu'une telle chose a lieu. Quoi qu'il nous arrive, veillons à gérer cela avec grâce et veillons à ce que ce qui nous arrive n'arrive pas à une personne de plus et une de plus et une de plus indéfiniment. La peine n'est pas seulement un processus psychologique. Si vous êtes intimement connecté à une autre vie, il va y avoir de la peine dans chaque cellule de votre corps, ça va faire mal de toutes les façons possibles. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes humains. Nous sommes humains parce qu'on peut avoir mal pour le malheur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un meurt et nous avons mal. C'est ce qui nous rend humains. Imaginez que quelqu'un qui nous est cher meurt et on n'a pas mal. Ce n'est pas humain, c'est inhumain. Donc, oui, ça fait mal d'être humain. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup d'être humain. Donc je sais que je ne fais rien pour vous réconforter, mais ceci est la nature de la vie. Et comment s'appelle-t-elle ? Evelyn ? Evelyn, où que vous soyez, qui que ce soit que vous ayez perdu, si vous pouvez envoyer la photo la plus récente de cette personne, nous allons voir ce qu'on peut faire. Et votre photo aussi, nous allons voir ce qu'on peut faire. Je sais que je m'engage dans quelque chose de fou, parce que maintenant, on va peut-être en recevoir des milliers et des milliers, mais comme vous avez posé la question, comme je l'ai dit, si quelqu'un a mal, si ça ne vous fait pas mal du tout, ça veut dire que vous avez renoncé à votre humanité. C'est en ce sens que je dis cela. Donc, ceci est une pratique simple, elle n'est pas pour les gens qui font Shakti Shalana Kriya, il n'est pas nécessaire de la faire, mais elle pourrait être faite si vous faites Shakti Shalana Kriya le matin, le soir, vous pouvez la faire si vous avez suffisamment faim, vous pouvez la faire. Autrement, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent aucun autre processus puissant, cela va les aider. Une chose, c'est que ça va renforcer votre capacité pulmonaire, une autre chose, c'est que ça va renforcer votre immunité. Et par-dessus tout, si vous pouvez la faire aujourd'hui, si vous pouvez la faire les 5 prochains jours et que tout d'un coup vous n'êtes pas capable de la faire, cela veut dire qu'à coup sûr, vous avez un problème respiratoire. Ce n'est peut-être pas ce virus de Wuhan. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Peu importe ce que c'est, il faut vous faire examiner, si tout d'un coup vous constatez que vous n'êtes pas capable de la faire. Voici en quoi ça consiste. Vous devez tirer la langue à fond, avec la bouche ouverte au maximum, et ensuite, respirer aussi fort que possible, sans secouer au niveau de l'abdomen, mais en pompant avec force, inspiration et expiration, 21 fois, et quand c'est fini, vous enroulez votre langue vers le haut, vous la poussez autant que possible en arrière, pas besoin d'utiliser vos mains, ce n'est pas le moment d'utiliser vos mains. Donc vous enroulez votre langue à fond vers le haut, autant que possible, d'elle-même, comme ceci, et toujours avec la bouche ouverte, respirez à nouveau, de la même façon, inspiration et expiration avec autant de force que possible. Mais vous devez obtenir le son en contractant votre gorge comme ceci. Le son doit être présent, il est important que vous contractiez la gorge au niveau du creux de la gorge et que
vous fassiez le son et inspiration, expiration, expiration complète et inspiration complète, aussi fortement que vous pouvez, mais sans secouer au niveau de l'abdomen. 21 fois de plus avec la langue enroulée vers le haut. Une fois ceci terminé, vous fermez les yeux et inspirez, pardon, dans tout le processus, vous avez les yeux fermés. Vous inspirez à fond et restez simplement assis là, sur le plein d'air pendant une minute. Si vous êtes au-delà d'un certain âge ou que votre souffle n'est pas très bon, au moins 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de tenir une minute, vous devez tenir au moins 30 secondes. Le jour où vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez comprendre que quelque chose ne va pas au niveau de votre système respiratoire et vous devez aller vous faire examiner. Swami va vous en faire la démonstration. Microphone. One second, Swami. Can we set up a microphone? If you keep it there, will it pick it up? Donc, ce qui est fait, c'est... Il faut être assis dans une posture jambes croisées, comme vous pouvez, selon ce que votre corps vous permet, et ensuite, utilisez les deux bras pour la soulever de telle manière que votre cage thoracique décolle de la région du diaphragme. Poussez à fond, vers le haut, et maintenez tirer la langue à fond. Comme ceci, 21 fois. Quand c'est fait, ça aussi, 21 fois, ensuite vous fermez la bouche, vous expirez avec votre bouche fermée, en faisant le son au niveau du creux de votre gorge, en créant une contraction. Et ensuite, si vous souhaitez rester assis tranquillement un certain temps, les yeux fermés, faites-le et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceci est une pratique simple que tout le monde peut faire. Veillez à ce que votre estomac ne soit pas trop plein, vous devez avoir un peu faim. Même si votre estomac n'est pas tout à fait vide, vous devez au moins avoir un peu faim. Uh,
Donc, ceci est une pratique simple, en particulier ceux d'entre vous qui sont exposés, parce que vous êtes un personnel médical, vous êtes dans la police, ou vous êtes dans tout autre service, ou vous êtes exposé à des personnes infectées. S'il vous plaît, assurez-vous de faire ça, ça va faire une grande différence pour vous.